Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de la série liste des meilleurs joueurs pour l'achat-revente. Donc c'est la liste des joueurs pour la technique plus 500 crédits. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais remercier la Onififa et la Comufut d'avoir upload la dernière vidéo de cette série. Donc je les remercie, je vais leur proposer aussi celle-ci pour voir s'ils la prennent. Donc je les remercie d'avance s'ils la prennent. Et moi on va directement commencer avec le premier joueur. Donc le premier joueur c'est Asmir Begovic, le gardien de Chelsea bosniaque de BPL. Donc c'est l'un des joueurs qu'ils ont le plus sur ce jeu. Donc vous l'achetez avec un style, n'importe quel style. Moi perso dans la vidéo comme vous allez voir je vais l'acheter avec le style mur, qui va lui permettre d'augmenter ce plongeon, son jeu à la main et ses dégagements. Donc j'ai acheté 1900 crédits, je vais relister leur lister 2400 crédits, il a une note de 910, donc c'est l'un des joueurs qui se vend le plus et le mieux sur ce jeu. Donc ensuite on a Matip. Donc Matip c'est soit vous l'achetez avec pilier, soit vous l'achetez avec sentinelle. Donc perso je l'ai pris avec pilier. Donc avec pilier c'est un joueur qui va se vendre assez bien. Et n'oubliez pas, il faut acheter Matip 83, la dernière version, compte tenu qu'il a une version antérieure de 82. Vaut mieux préférer de prendre la 83. Donc là vous pouvez voir, je vais pouvoir acheter un Matip 83 à 2400 crédits et je vais le relister à 2900, 3000 crédits, 500 plus cher. Donc Matip il a une note de 6 sur 10, donc c'est une bonne note, c'est un joueur qui se vend bien. Sans plus, c'est bien, voilà, c'est un joueur pour remplir la pile et qui se vend bien. Ensuite on a Luke Shaw, le défenseur gauche de Manchester United. Donc c'est un joueur très très utilisé en BPL, donc c'est un joueur qui se vend très très bien. Donc on va l'acheter en sentinelle ou en pilier. Donc là je l'ai pris en pilier, il a une note de 7 sur 10 à la revente, ce qui est très très bien. Et on le reliste plus 500 crédits. Ensuite on a Marcus Rashford. Donc Marcus Rashford c'est soit vous l'achetez en œil de lynx, soit en finisseur, donc, ou en vista, c'est comme vous souhaitez. Donc pareil que Matip, il a une carte up, donc il faut toujours préférer la carte up à la version antérieure. Donc là, on va l'acheter en œil de lynx à 1400 crédits, dans les 1000 crédits, et on va le revendre à plus 500 crédits comme d'hab. Toujours la même technique, hein, c'est vraiment facile. Donc voilà, il a une note de 6 sur 10, c'est une bonne note, c'est un joueur pareil pour remplir la pile. Ensuite, on a Idriss Agueil, un up. Donc Idriss Agueil, c'est soit vous l'achetez en gladiateur ou en moteur ou bien en pilier. Donc c'est comme vous le souhaitez. Alors moi je l'ai pris en gladiateur compte tenu qu'il manque un peu de frappe et un peu de défense. Donc je l'ai listé plus 500 crédits et il a une note de 7 sur 10, ce qui est très très bien. Donc à la fin de cette vidéo vous allez voir que je vais mettre des captures des ventes. On m'a demandé des captures, donc je vais mettre des captures, vous allez les voir apparaître maintenant. Donc voilà, je vous laisse avec les captures. Donc moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à commenter. Allez, bye bye.